Hop, on est reparti. Alors. Ça, j'en ai besoin. Non, j'ai pas besoin. Mais non, parce que scénario A, le truc de baiser, c'est que on venait juste d'avoir. Ah si, je suis obligé d'aller là. Non, ça c'est la clé. Non, la clé de trèfle est là. Ça c'est la clé de cœur. Putain, j'étais à Clément dans ma tête. On est bon, on est bon. J'ai pas besoin de bar. J'ai pas. Tiens, un scénario clair B. J'ai pas besoin de beaucoup de barricader les fenêtres. Hein. Attends, bah tiens, si on parle de barricade de fenêtres. Si, j'en ai besoin. Bon, ça, j'ai l'herbe rouge qui est là. Ok, ici on va arriver. On va fouiller d'abord tout ça. Ok. Donc pour l'instant, on va rester comme ça, tant pis. Ah ouais, Resident Evil, dans les premiers Resident Evil, c'est toute une organisation. Hein. Attends, si, c'est en bas. Voilà, hop. Ah, plus besoin des planches. En plus, je fais ça alors que je crois qu'il y en a une en haut. Ça, Christelle, t'en penses quoi du jeu? Bah oui, qu'est-ce que je disais en plus, c'est une en haut, une planche. Bon. Voilà, je récupère encore une flash. Je récupère des balles. Ah non, mais après, oui, il est hyper cool. Même si. T'as pourtant, je me dis, allez, ça va être sans doute le meilleur Resident Evil qu'on va faire, et non, c'est pas encore le meilleur. Le meilleur, ça restera le premier. Avec mon préféré, c'est le 3, donc j'espère que le 3, ils vont pas le rater, le remake. Et le 7 a failli être le meilleur. J'aurais pas, mais je suivrai les let's play sans doute, ouais. Oh bon, je tombe. C'est quoi, attends, je me rappelle aussi une histoire. J'avais mon pote à l'époque de la Wii, il avait encore Resident Evil 2 et 3 sur la GameCube, donc on pouvait mettre les CD de GameCube sur la Wii. Et attends, c'est quoi, on va ranger ça temporairement. Et ce pote-là, j'ai réussi à le dégoûter de tout Resident Evil 2, il me regardait faire. Et pourtant, ça faisait des années que j'avais pas fait Resident Evil. Mais comme le 2 original, pas celui-là. Mais comme le jeu, je le connaissais par cœur, je l'ai fait. Bah tu vois, avec ça, je peux, hop, tu sais les codes de coffre, quoi, j'étais pas censé savoir, je fais, c'est ça, tac, tac. Je leur dis, après je faisais, bon, faut aller là-bas, et après dès que t'as fait ça, on va récupérer ça. J'étais dégoûté parce que je sortais tout ce qu'il fallait faire dans le jeu. Par contre ça me stresse, il est où ce con? Allez là. Je suis con, j'avais d'autres pistolets en réserve. J'avais pas de balles. Le relou quoi. Ah oui, mais grave. Je le dis, fais gaffe, je le connais à par cœur au bout des doigts. Pour dire qu'il y avait une période quand j'étais gosse, pendant un mois entier. Attends, je suis en train de réfléchir. Oh, un couteau. Pendant un mois entier, le jeu, je le finissais tous les jours une fois. Sans sauvegarder et tout.
Ok. Plus de place. Et... Voilà. Ça t'arrive, mon dieu. Ah ouais, mais j'étais gosse. Tu sais, quand t'as pas beaucoup de jeux, quand t'es gosse, tu fais avec ce que t'as et du coup, tu refais les jeux que t'avais. Et Resident Evil 2, c'était une grosse claque. Et pareil, le 3, je l'ai refait. En plus, Resident Evil 3, il te forçait à finir le jeu au moins 9 fois, je crois. En difficile, parce qu'à chaque fois que tu finissais le jeu en difficile, t'avais toujours une petite partie de l'histoire qui t'expliquait de ce qui était venu les personnages et tout. Du coup, il disait ce qui est devenu Chris, il disait ce qui était devenu Ada, par exemple, ou Léon. T'avais toujours des petites histoires comme ça. Et donc ouais, Resident Evil 3, pareil, par cœur le jeu quoi. Remonter, oh, je fais tellement d'allers-retours parce que en hardcore, surtout en bis. Alors, je sais pas si c'est le fait que ce soit en hardcore ou en bis. Les sacoches, tu les trouves pas tout de suite. Et on a tout, ok. Resident Evil, c'est vraiment mon premier gros coup de cœur de série de jeux vidéo. Après, c'était Final Fantasy et après, c'était Mass Effect. Ouais, c'est mes trois gros coups de cœur. Alors, ça, on dégage, ça, on dégage. Ouais. Un coup? Oh, ok. Oh putain, enfin un bouton. Et j'ai plus de place. Ça va, t'as pas eu peur? Alors ça, ça. Oh putain, ça. Ok, ça. Tranquille, t'inquiète. Ouais, d'un côté, comment tu peux pas avoir peur? Dans le sens où, depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Tout le long, je suis comme ça. Tout le long, je suis comme ça, prêt à dégainer et à tirer sur ce connard. Bon, j'ai plus de place, faut que je revienne en haut.
Non, t'inquiète pas, il y a les planches. Putain, et dans le jeu d'original, il me prenait pas de place, 15 grenades, même amélioré. Ok, ça j'ai pas besoin tout de suite, ça j'ai pas besoin tout de suite. Claire, 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 ta... Putain, en fait, scénario B, Claire, elle a 4 pistolets. Le pistolet de base, le pistolet avec le pistolet laser, que t'as dans le scénario A et B, et scénario B, le petit... le gros revolver. Alors... Et avec Léon, il n'y a pas de liqueur. Et ça... C'est une chance inouïe, parce qu'un fusil à pompe contre un liqueur, c'est pas ça, quoi. On a trop pris. Donc, avec un bouton, on a de quoi ouvrir le truc, mais en temps normal, il devait avoir la boîte à bijoux dans le scénario A. Tac, ça on range. Enfin, je dis ça qu'on range. On combine. Attends, j'ai un message de Lena. J'ai encore de la batterie en fait. Je mate ma me meilleure amie, c'est écrit. J'ai un compote de ce qu'elle a dit. Parle pas en français. Juliette, elle est pas revenue, je suis déçu. Ah, mais Lena qui est en ligne. Attends, elle va arriver. Tu sais quoi, je suis content que t'as choisi le scénario de Claire, parce qu'au final, le scénario de Claire, il est vachement plus simple d'un côté. Alors, comme on est dans une impasse avec Claire, ils te font pas péter l'échelle, mais comme Léon, tu peux essayer de brain le truc. Les enculés, ils te fait péter l'échelle. Ouais. Est-ce que je les dégomme? En fait, avec Léon, c'est plus facile à tuer les zombies parce que t'as un fusil à pompe. Bon, tu me diras, t'as lance-grenade, mais je vais garder le couteau, ouais. Et Léon, c'est plus simple à tuer les boss avec Léon. Mais pour les problèmes de liqueur, c'est tellement plus simple avec Claire. Il est autant que. Juste pour les liqueurs avec Claire, c'est mon plus simple. Que Léon, c'est un supplice de tuer les liqueurs. Quand il est allongé comme ça, faut jamais le mettre dans sa tête. Est-ce que cet enculé il te fait une chope? On a tout ramassé, oui. On va retourner au coffre. Je vais pisser un coup. Pendant la rediff, oui, parce que j'ai une putain envie de pisser. Et avec l'autre con qui va me stresser, j'aurai pas le temps d'aller pisser.
Léna, je la vois en ligne. Est-ce qu'elle est là? Mais elle est là, Léna, c'est obligé. Elle me fait style, elle est pas là, mais elle est là. Ça orange, ça orange, ça orange. J'ai besoin du couteau. Ok. Si. Attends, je vais pisser parce que j'arrive plus à réfléchir. Je reviens. Alors, Christelle, si tu vois quelqu'un arriver sur le live et tu te demandes où je suis, tu lui dis je suis en train de pisser. Et non, 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 pas genre, quand t'as une putain d'envie de pisser, t'arrives plus à te concentrer. Hein? Personne n'est revenu entre temps? J'ai fait. Ah oui, alors attends. Une meilleure vue ici. Ah non, on est à l'étage, je suis con. On va être là. On va courir et tout, tac tac. Et voilà, j'ai oublié un truc. Donc, on va être là, tac tac. On se casse par là, la salle d'attente, normal. On vient là, on passe par la buanderie, c'est la clé carreau, donc la clé carreau quand ça on l'enlève, on va récupérer le deuxième bouton. En théorie c'est ça. On va remonter, monter, on va redescendre là-bas. Ici, comme ça, ici, on verra arriver de loin le liqueur qu'on va buter. Après avoir buté le liqueur, je me repose ici. Je vais dans la salle des casiers récupérer la sacoche et tout mon bordel. Ensuite, arrivé ici, on va arriver là. Clé de cœur, on va récupérer le cric. Selon où est le boss, on passe par là ou on remonte en haut. On active le cric. Comme ça, on arrive là. Et qu'on va pouvoir retourner à le truc de la loge. Ok. Ah bah ça me paraît simple. Ouais. Il est pas super mon plan. Franchement. J'ai l'impression que le son du jeu, ça s'accorde pas, ça va?
vérifier avec le retour. Non, ça va. Tranquille, ok. Non, mais je me méfie parce qu'à chaque fois que je me barre aux toilettes, que je bouge et tout, je suis parano. Mais de toute façon, tu me l'auras dit, tu me diras. Mais je suis parano quand même. Parce que des fois, c'était qui? C'était mon cousin, il était là. Oh putain, c'est pas la bonne porte. Pendant au moins 30 minutes, le son se saccadait et il croyait que c'était lui parce qu'il avait trop fumé. Comme quoi, si t'as bien fait tout ce qu'il fallait faire avant, le problème du tyran n'est pas un vrai problème en fait. Alors, la technique ne marche qu'une fois contre lui, la deuxième fois ça marche plus. Et là, cette pute était encore vivante, t'imagines? Oh, j'espère que dans la buanderie, y a pas de liqueur avec Claire. Ah, oh, je sais pas. Ah putain, du coup, ça se trouve, il y a des trucs avec Claire qui a changé, que je suis pas au courant, t'imagines? Je préfère marcher au cas où, hein. Parce que avec Claire en bis, y a pas de liqueur ici, mais. Ok. Ça en jette. J'ai une grenade flash? Non, j'ai pas pris de grenade flash. Je suis intelligent, moi. En vrai, ils ont pu faire lever. Il y a plein de zombies qu'ils ont pu faire réveiller pour nous faire chier hein, dans le jeu quand même. Tu sais, faire réveiller plein de zombies quand le tyran il arrive. Alors attends, par contre. Non parce que du coup comme j'ai fait tout ménage, plus personne qui me fait chier, il y a juste les liqueurs qu'ils ont rajouté pour faire chier. J'ai pas de poudre noire? Non. Donc on prend ça. On prend ça. On fait l'énigme en deux speed. Ok. Oh putain, j'ai déjà oublié. Attends, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, ah, comme ça, 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 comme ça. C'est pas pour toi, mais j'ai plein de sauvegardes. J'ai pas envie de te recommencer. Je propose de sauvegarder. Tant que j'entends pas les bruits de pas, c'est les pas à côté. Donc il doit être au troisième étage. Alors, 102, 103,
203 et 208. Non, je ne connais pas les codes à par cœur. Non, je peux pas le tuer. Enfin, si, il y a un succès. Faut que je le dégomme, que je l'affaiblisse, si tu veux, il est là le succès. Il est où? Ah bah ils l'ont pas mis. C'est un succès secret. T'as un succès secret, faut l'affaiblir, le mettre à genoux et tout. Mais au bout de 30 secondes, il se relève. Donc non, on peut pas le tuer. Dans Resident Evil 2 original, à chaque apparition, tu pouvais le tuer et te laisser tranquille. Ou sinon, tu prenais une porte et te laissais tranquille aussi. Il est où là? Eh, il s'est perdu ou quoi? Attends. Non, c'est poudre noire, merde, ça m'intéresse pas. Bon bah. Quoique, Sim Shop, c'est pas intéressant d'utiliser cela, on va utiliser plutôt un spray. Voilà. Non. Oh, il est. Oh, Coco, il est là. Coco qui est là. Alors, Coco, voici. Bah, t'as dû peut-être le voir dans le Discord. Coco, c'était une pote alsacienne qui est devenue une pote du Nord maintenant. Coco, tu te couches aussi tard que ça maintenant? Ah, alors attends, Coco. Ah, bah y'a Trip aussi. Ouais, bah tout le monde qui se pointe. Non, je vais jamais sur Discord. Ouais, bah c'est pour ça que tu n'entends jamais parler. C'est grave moche la cave ici, j'avoue. Putain, ta gueule. On verra quand on aura une triple. On verra. Et du coup, y'a tout le monde qui. Y'a les 9P qui débarquent ou quoi? Enfin, les hydopades? Mais il s'est perdu le tyran ou quoi? Mais quelle bite, putain! J'ai oublié le cric. Bah ouais, t'es perdu, hein! Calmez-vous, on signe pas d'autour. Oui, c'est bien que je le croise pas! Oh non, il est pas là où je veux aller. Moi j'ai une des débousses de Jérémy. Les connards. Cette pute, il est venu en mode ninja. si j'inverse L et R, je vais pas m'en sortir.
APGW. Ça date la PGW avec vous maintenant là. Putain, salaud! Il s'est mis en mode sneak et tout, hein, cet enculé. Normal, il préfère sa Xbox Collector. Putain. Histoire vraie, je voulais acheter ma Xbox à Micromania et je l'ai acheté à la PGW avec une manette en plus. Non, attends. Non, t'es bon en fait! Eh merde, il est là. Bah, il est où? Porte comme un grand mec de 1m90, 200 kg qui gagne. Putain. Grave belle la manette. Ah non, là c'était une manette normale que j'avais pris. Mais là entre-temps j'ai pris la Elite. Bon, c'est pas la manette Halo 5, mais. Ouais, le remake il est grave bien. Le seul souci c'est la cohérence entre les deux scénarios. En fait, t'as un scénario. T'as le scénario bis, mais c'est exactement pareil, sauf que t'as les énigmes qui changent et ton point de départ qui change. Sinon, ça change pas comme comme l'original où l'original, bah, le tyran qui me poursuit, il apparaît que dans le scénario B. Et c'est le boss du final du scénario B. Alors que là, non. C'est le boss final de Léon. Bon. Là, il me fait juste chier pour me faire chier. Du coup, y'a que toi, Triple et Coco, et dort tous. Enfin, du coup, y'a que dort tous, Coco et Triple qui sont là. Y'a pas Orwan, y'a pas Clem, y'a pas. J'ai oublié qui d'autre. Prélude, tu vas sûrement te faire dessus, alors je reste. Non, j'ai plus peur, il fallait venir avant. Avant, je me flippais ma race, et t'as les rediff si tu veux sur YouTube. Avant je flippais à mort, mais là ça va, t'inquiète. En plus j'avais lancé direct le jeu en hardcore, donc vive l'intelligence de ma part. Ils dorment les vieux, oh. J'ai demandé de jouer à Forza. Il joue à Forza? Mis en ligne? Attends, je l'ai toujours clean claim. Bah non, je l'ai pas. J'ai cru l'avoir. Oh, je sais plus. Ça m'arrête. Ah, ouais. A marché. Avec ton triple. Merde, putain, attends, je suis où là? Je suis là, ok. Non, il est pas venu de ce côté-là quand même.
Non. Comme par hasard, il a anticipé que j'allais venir ici. Bon, c'est bon, on est tranquille là. On est tranquille, on est tranquille, on est tranquille. Ça range, ça range. La poudre jaune. Ah non. Ça, on le laisse. Prends ça. Quoique, non, non. On prend pas ça. On prend le spray. On va récupérer les vrais flingues. Au cas où. Moi je sauvegarde souvent parce que à chaque fois il m'arrive des merdes. C'est con que ce coup-ci ils ont pas fait l'apparition du tyran ici. D'habitude ils le font. Enfin dans l'original ils le faisaient. Sinon un code beau à raconter d'Orto c'est triple. Alors attends, il y a un succès, faut le faire en peu de mouvement. Donc le truc est là. Ça, de toute façon, quoi qu'il se passe, on le met là. Ça, quoi qu'il se passe, faut le bouger. La question est... Toute logique, si je fais ça... Ah, il est pas connecté le truc. Je fais ça... Bon, vas-y, nique sa race. Le câble il passe. Suis obligé de passer ça comme ça. Les câbles passent plus ici. Pas grand chose, on est sur WoW avec Coco, on attend Tari parce que son bûcheron l'a appelé. Jouer sur. Go jouer sur WoW, triple GG. Ouais, non. C'est combien d'abonnements par mois à WoW? J'ai trop de jeux à faire là. J'ai KH3 à faire à 100%. Ah, j'ai fini KH3, bon, je dirais rien, mais. Il était bien. 13 euros? Oh non. Beau Photoshop. GG, go Discord. Pourquoi go Discord? Qu'est-ce qu'il y a sur Discord? Tunéa, ah putain, attends, Tunéa elle est revenue. Tunéa s'est pointée, ok. Alors attends, je vais vous mettre le truc de membre. Dorto s'est pointée. Discord, putain, j'arrive. Attends, j'étais en train de mettre les trucs à Dortos et à Tutu. Quoi? Allô? Oh merde! Attends. Pourquoi j'ai pas mon micro activé? Merde.
Paramètres. Voix vidéo. Merde, putain, hey, tu me fais chier en plus. Pourquoi c'est pas activé? Pourquoi ma voix est pas activée? Mais putain, hey, on fait comment? Attends, le mec il reprend comment utiliser Discord? Pourquoi c'est pas activé? Attends, voix vidéo. Oh putain, ok, ouais, je comprends. Hop, périphérique de sortie. Hop. Là, c'est bon. Non, c'est pas bon. Putain. Alors, attends, on va couper le live, l'ordi fait tout.